Did you pack it? Et la dernière. Et la dernière, on donne celle-là. Beau chien. Vas-y, bon gros chien. Salut tout le monde! Bonjour officiellement, j'espère que vous allez bien. Puis c'est ça, comme vous avez vu ce matin, j'ai pris ça, j'ai fait ma petite routine matinale bien relaxe comme d'habitude. Puis j'ai fait un petit workout sur YouTube. Dans le fond, je fais comme les entraînements là, de femmes enceintes. Là. C'est vraiment une chaîne dédiée à, c'est ça, au workout prénatal, puis même au postpartum. Je l'aime bien, là, je vous mettrai ici là, comment ça s'appelle, je m'en rappelle jamais. Là, il me semble que c'est genre prénatal et postnatal workout. Là, c'est en anglais. Mais j'aime bien. Fait que j'ai fait ça ce matin. J'ai aussi fait du montage. Puis là, dans le fond, ben là, c'est comme la première fois en fait que je vous reparle depuis l'annonce. Puis d'ailleurs, je voulais vous dire un gros merci pour toute votre dose d'amour. Là, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Là. Vous avez vraiment beaucoup commenté, mais je vous ai toutes lues par contre, même mon chum a toutes lues les vidéos, les commentaires sous vidéo. Alors, c'est ça, je voulais vous dire un gros merci pour cette belle grosse dose d'amour. Ouais, vraiment, c'est super apprécié. Puis, c'est ça, fait que là, ben, aujourd'hui, dans le fond, c'est une journée vraiment très grise. C'est démoralisant même, mais j'avais envie d'aller voir un petit peu des items de bébé dans une friperie. C'est comme une friperie pour enfants, fait que tu sais, il y en a un peu partout au Québec. Puis c'est ça, je me suis dit que ça pourrait être bien maintenant qu'on sait le sexe du bébé. Fait que puis je pourrais vous montrer mes petits achats là que je vais faire. Mais dans le fond là, vu qu'il est rendu quand même midi moins quart, je vais dîner. Pour dîner, dans le fond, j'avais un petit restant de... excusez-moi! J'avais un petit restant de mon repas d'hier qui était un bol de taco. Comme un bol de style taco de cookies. C'était super bon. Mais c'est ça, c'était des giga grosses portions. Fait que j'avais comme pas assez faim pour tout manger. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop petit, donc je vais me prendre un pamplemousse. Puis je vais me faire probablement des petits concombres avec ça. Puis j'ai des petits pains avec un petit peu de beurre. Fait que ça va être comme un tout ski pour dîner, mais ça va être super bon, je suis sûre. Bon, fait que voilà pour mon petit lunch. Ça va être super bon. Salut tout le monde! Je suis de retour dans mes achats. Puis je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai fait. Là, j'ai fait quand même pas mal d'achats. Finalement, tu sais, je suis allée en friperie premièrement. Puis après ça, je me suis rendue compte que j'étais à côté du 10-30. Oh non, Manjo, là, regarde, t'as sali. Puis c'est ça, dans le fond, je suis allée à deux friperies d'enfants. Puis je me suis rendue compte que j'étais quand même proche du 10-30. Puis je voulais aller acheter des petites affaires pour la décoration de la salle de bain en bas. Parce qu'il va falloir qu'on fasse... dans le fond, j'ai une collaboration avec Patrick Morin. Fait qu'il va falloir que je prenne des photos. Puis je voulais comme que ça soit cute niveau déco. Fait que je vais vous montrer tous mes achats. Fait que premièrement, ben, je vais commencer par les places où est-ce que je suis allée, tu sais. Donc j'ai acheté dans les friperies, dans le fond, j'ai trouvé une belle dormeuse comme ça. un genre de mousseline. Ouais, c'est de la marque... Eden et Anaïs, fait que c'est quand même une bonne, puis elle était vraiment abordable, elle était 12$. C'est sûr, tu sais, les petites grenouilles, c'est comme moins, j'aurais pas choisi ça neuf, mais c'est parfait, là, je trouve ça bien correct. Après ça, j'ai trouvé ce petit chandail-là, ici. Oups! Comme ça, que je trouvais trop mignon, je me disais, avec genre des petits pantalons d'armée, là, ça va faire vraiment cute, ou un petit jeans.
Puis lui, il était 5$, il me semble. Je trouvais ça quand même cher, pour vrai. J'étais genre, je m'attendais à ce que ça soit pas autant cher. Mais c'était comme, tu sais, des beaux vêtements aussi, là. Fait que c'est ça, un petit chandail comme ça ici à 3$. Comme ça. Puis sinon, j'ai acheté des petits souliers. Regardez ça! Comment ils sont trop mignons! De même, puis celui-là était 5$. Fait que, tu sais, c'est ça, je trouvais comme pas ça très donné parce que, tu sais, quand j'achète des vêtements neufs, c'est pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de vêtements parce que, tu sais, j'ai comme vraiment acheté mes coups de cœur, là, ce que je trouvais cute parce que, tu sais, moi, je regarde vraiment les soldes, là, soit chez Old Navy ou chez Gap, puis je trouve que, tu sais, ça revient au même prix pour quelque chose de neuf et à mon goût. Fait que, tu sais, je sais pas trop, là, c'est peut-être juste les places, mais j'étais allée quand même à deux friperies, puis je trouvais que c'était pas donné. Même, il y avait des trucs de maternité que je pensais trouver, mais finalement, c'était comme pas... j'aimais pas vraiment ça, là. C'était comme un peu quétaine, je trouvais. Fait que j'ai rien acheté. Puis, sinon, ben, pour continuer bébé, je suis allée chez Winners, puis là, j'ai fait vraiment des belles trouvailles. Donc, j'ai racheté... en fait, j'ai acheté une autre petite dormeuse, mais celle-là, vraiment, plus nouveau-né. Où est-ce que c'est comme vraiment que le bébé est enrobé, là. Je sais pas comment dire ça, là. Tu sais, il est vraiment... il a ses bras, là, dans celle-là. L'autre, c'est, tu sais, pour un petit peu plus grand, là. Pas pour nouveau-né. C'est plus... ben, il dit 0-6 mois, mais... ça dépend de la grosseur. Je pense que c'est son bébé quand il naît, là. Mais, tu sais, peut-être plus vers, justement, un mois, si je vois qu'il aime ça, avoir les bras des airs, parce que... c'est ça, ceux-là, supposément qu'ils sont bien aimés, mais il y en a des bébés qui aiment ça avoir les bras dans les airs. Puis nous, ben, je sais pas si ça a rapport, mais à la clarté du câble, là, il était genre tout le temps avec les bras de main. Tu notais un bras dans le front, puis comme ça. Puis là, tu sais, il avait comme tout le temps les bras vraiment, tu sais, il pourra pas faire ça dans quelques mois à venir, là. Sinon, écoutez, genre, ouch à moi. Mais, fait que je me suis dit, oh, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il va aimer le plus. J'aimerais ça m'en procurer une autre. Avec les bras qui pourraient sortir, mais tu sais, faites un petit peu plus jeune là, parce que celle-là, je la trouve quand même grande, mais je sais que tu sais, ça va être bien utile plus tard. Fait que, bref, je la trouvais trop cute, puis genre de polar. Tu sais, nous, ça va être un bébé d'hiver, là. Tu sais, sa naissance est au mois d'octobre, que c'est prévu. Ma date est au mois mi-octobre. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis dit, ça va être comme plus chaud. Voilà. Après ça, j'ai racheté deux petites mousselines. C'est ça. Là, j'en ai deux autres. Je vais en avoir quatre. Je sais pas en tout combien que c'est pratique à en avoir. Mais tu sais, c'est pratique pour les boire, les roux. Pas mal pour tout. Puis, c'était deux pour 13$. Puis, j'ai trouvé vraiment mignonne, là, avec des petits dinosaures. J'ai une petite thématique dinosaure. Voilà. Après ça, j'ai acheté des petites des barbouillettes. Encore une fois, c'est juste bien pratique, puis j'ai fait trop cute avec les chiens. Dans la chambre du bébé, on a comme thématique de... tu sais, on va pas mettre genre une grosse thématique intense, mais tu sais, on va inclure beaucoup des trucs de chiens. Fait que bref, j'ai trouvé juste trop cute. Voilà. Après ça, une petite serviette de chien. Fait que, ouais, je la trouvais belle. Elle était 10$. Ça, c'était 6$. Fait que... voilà, je me suis dit que ça allait être bien pratique. Je pensais que Benjo était dessus. Après ça, j'ai pris ce petit ensemble, une pièce-là. Je le trouvais vraiment beau. Regardez le coton, comment il est de qualité. Il est comme... je sais pas si ça se perçoit à la caméra. Mon Dieu, je suis quelque chose de sale sur le pouce. Ouais, je sais pas si ça se perçoit, mais il est vraiment beau. Fait que je me suis dit, tu sais, ça, c'est le fun, un petit pyjama cute dans la journée, là, pour relaxer. Fait que voilà. Mais tu sais, qui fait un petit peu plus, là. Après ça, ça, je me trouve drôle, mais c'était dans la section des chiens. Je la trouvais vraiment belle. Une couverture comme ça avec des chiens gris pâle, gris bleu, blanc. Puis toute chaude comme ça. Puis je me suis dit, mais ça serait parfait. Tu sais, on s'entend dessus, là. Une fois que l'étiquette va être enlevée, personne ne va savoir que c'est pour les chiens, là. C'est genre. Tu sais, c'est super, super doux. Je me suis dit, dans la chambre du bébé, ça serait beau. Fait que, ouais, je me trouve drôle, tu sais. Voilà. Et sinon aussi, j'étais bien contente, j'ai trouvé un matelas allongé. La seule affaire, c'est qu'il était un petit peu ouvert, puis c'est pour ça qu'il était autant pas cher. Il était 20$ pour un Simons.
sinon. C'est ça, avec une housse imperméable et tout. Et souvent, j'ai regardé, souvent, sur d'autres places, à environ 45-50$. Fait que c'est ça, tu sais, je trouvais pas qu'il y avait de la sale ou quoi que ce soit. Là, un petit peu, là, je vais le laver, là, mais c'est comme la housse. Fait que comme ça, il est tout en dérapant derrière. Il y avait déjà une housse dedans qui est quand même cute, mais je vous dirais, tu sais, c'est comme pas un coup de cœur, mais c'est pratique d'en avoir deux housses de. C'est de comme ça, que s'il arrive des dégâts, mais on n'est pas trop mal pris. Fait que j'aurais celle-là, puis sinon, je suis tombée sur une autre. Là, je l'ai sortie, je l'ai développée, là. Mais comme ça, que je trouve vraiment belle. Elle est lignée comme bleu, gris et blanc. Puis, elle est toute en petite mousseline. Je la trouvais vraiment, vraiment jolie. Fait que je me suis dit, ça serait super beau dans la chambre du bébé. Parce que... Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, je pensais qu'il y avait un trou, mais c'est fait comme pour avoir un bouton. Ouais. Fait que c'est ça, puis j'ai fixé dessus, mais je vais le faire, ça me tente de checker avec vous encore. Je pense que c'est pas mal universel, là, des trucs à bébé, mais voilà. Fait que comme ça, je la trouvais vraiment mignonne, là. Ouais, je trouvais que ça faisait vraiment beau, parce que, tu sais, c'est beau aussi, là, genre les espèces de paniers en osier et tout. Mais je me suis fait dire que c'était vraiment pas pratique qu'il y avait des petites explosions de CACA. Fait que, on dirait que je me voyais pas là, nettoyer cette affaire-là. Fait que ça, je me suis dit que ça allait être vraiment cute. Puis notre meuble, on prévoit l'acheter comme un meuble antique en bois. Fait que je trouvais que ça ferait super cute. Fait que je pense que c'est pas mal tout pour niveau home sense. Niveau home sense bébé. Puis après ça, ben dans le fond, je vais vous montrer là, les choses que j'ai achetées chez Bouclair. Il y a un petit peu d'Homsense aussi, là. J'ai deux paniers d'Homsense. Mais pour la salle de bain. Fait que j'ai pris ce beau cadre-là, que je trouve vraiment mignon. Il était vraiment pas cher, là. Il était 30$. Puis ça me faisait vraiment penser à nos vacances dans le Maine, à Ogunquit. Je me suis dit que ça serait super beau dans la salle de bain, justement. Fait que voilà. J'ai pris un vase pour mettre des pampas dedans. Probablement au-dessus de la salle de la toilette. Mais aussi, j'ai aussi pris un panier. Mais je pense que le panier est un peu gros. Mais c'est parce que je trouve les paniers, comme pour mettre des papiers de toilette, soit sont tout le temps trop petits ou soit sont trop gros. Fait que là, je pense qu'il est un peu trop gros. Mais en tout cas, je pense que les deux, là, comme ça, ça marchera pas, là. Mais non, ouais, je pense que c'est... Moi, je sous-estime la capacité de mon dessus de bol de toilette. Mais bon. Après ça, j'ai pris un petit distributeur à savon de même, que je trouvais beau aussi, chez Bouclair. Ça, je l'avais pris chez Homesense. Fait que, voilà. Et, bon, un déodorant de chez Homesense. Voilà. Puis sinon, j'ai pris un gros panier comme ça, qui ressemble vraiment à mon panier là, mais il est différent quand même. Oups, on le voit pas, mais en tout cas. Faut mettre au-dessus de la laveuse parce que on fera peut-être un jour on va faire une petite armoire, mais pour le moment c'est comme pas dans nos priorités là, surtout si la salle de bain du sous-sol. Fait que c'est ça. Fait que ça va faire juste cute là, mettre là, les bouteilles de savon à linge et tout là dans ce panier là. Puis sinon aussi au bout clair, je suis tombée sur ça ici, les crochets trop mignons pour la chambre du bébé. Je me suis dit c'est ça, ça ferait comme une petite thématique. Ok, j'ai trouvé vraiment cute. Je me suis dit que ça ferait super beau, mon chum il capote. Fait que ouais, j'ai trouvé vraiment cute. Fait que c'est ça pour les petits achats. Puis sinon, mais je vais vous montrer. J'avais passé une commande chez Gap. Parce que j'étais tombée là, en fait, je le zyotais. J'attendais qu'il tombe en solde, un petit habit, son petit habit de neige. Parce que, veux pas, là, le bébé, tu sais, il est né mi-octobre, comme j'ai dit. Puis, tu sais, il va être dans sa coquille, là. Probablement qu'on va acheter un genre de housse, là, comme un petit coulou ou des trucs comme ça pour l'hiver. Mais, tu sais, si on va se promener en poussette et tout, ben, moi, je veux acheter une poussette avec un landau. Parce que, tu sais, les coquilles, ils sont pas confortables, là, de rester. Puis, faut pas qu'ils restent là très longtemps, là. Je pense que c'est comme une heure et demie maximum, là, de mémoire. De ce que j'avais déjà entendu. Puis si on le porte si on a un porte-bébé, ou, et en tout cas, tu sais, vous voyez, genre, là, si on va faire des activités extérieures avec la poussette ou le porte-bébé ou quoi que ce soit,
mais il faut qu'il y ait un souffle de neige. Fait que, tu sais, c'est un petit peu le désavantage d'avoir un bébé l'hiver, là. C'est faut que tu penses à ça. Fait que, voilà. Puis là, ben, comme on est au début de l'été, là, en avril, ben là, il y a plein de liquidations. Fait que je me suis dit, ben, je vais en profiter. Puis comme de fait, j'ai été vraiment chanceuse parce que je capote. Je l'ai pris chez Gap, c'est un 0-6 mois. Fait que je me suis dit que ça risque de faire pas mal tout l'hiver. Comme un bébé est né en octobre, je me dis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais tu sais, encore là, en avril, tu portes pas nécessairement un gros sou d'hiver. Là. Ça va plus être un sou de mi-saison. Puis en octobre, s'il risque d'être un peu trop grand, mais tu sais, jusqu'à quel point on va faire des grosses sorties. Puis des fois, il fait quand même doux, tu sais, fait qu'on peut peut-être juste y aller avec des couvertes et tout, là. Plusieurs épaisseurs, tu sais, dans son... J'ai une équipique, désolée. Dans son petit landau, là, tu sais, en tout cas. Fait que bref, je le trouvais trop cute. Regardez comment il est. Il a des petites oreilles de même. Puis je me suis dit aussi, bleu marin, c'est le fun. Parce que si on a un deuxième, ben ça fait cute quand même pour une fille, là. Tu sais, même une petite tuque rose, puis un petit foulard rose. Ça fait beau, je trouve. Moi, en tout cas, j'aime bien le bleu marin. Bleu marin. Puis c'est le fun, c'est comme ils ont les petites manches de même. Mais ils ont aussi les petites mitaines intégrées, là, comme ça. Puis la même chose pour les pattes. Fait que, tu sais, si à la fin de l'hiver, je vois qu'ils commencent à grandir, ça fait plus avec les pattes, ben, tu sais, on va juste y acheter des petites bottes, là, ou en tout cas, une chaussette très chaude, là. Fait que, voilà. Puis, il est vraiment, vraiment de qualité. Il est tout fait en duvet, de ce que j'ai lu. En tout cas, ça vient super chaud, puis... sans duvet. Non, pas en duvet, mais la chaleur du duvet naturel. En tout cas, il valait quand même comme proche de, je pense, quand même 100$. Puis j'ai réussi à le payer 20$. Rendez-vous compte? Fait que j'étais bien contente parce que j'en ai vu en friperie qui était vraiment pas cute. Mais tiens, à un moment donné, jusqu'à quel point que tu t'en soucies, là, mais... Puis il était genre vraiment plus cher. Fait que je suis super contente. Puis tu sais, justement, c'est ça, ça va pouvoir te faire. Ben, ça dépend quand, si on a un bébé 2 l'été, ça te fera pas, là. Mais tu sais, c'est des beaux vêtements, mais on peut se le passer avec si j'ai des amis, là, ou tu sais, en famille, là. Bon, on a tout un petit trousseau de vêtements, rien que moi, j'en ai pas, là. Fait que faut que je m'équipe ici et là parce que, ben, c'est ça, il n'y a pas de garçon dans notre famille encore, puis ben, il va avoir le petit garçon de ma belle-sœur, puis ben, dans le fond du frère à mon chat, mais je sais pas trop, ben j'imagine qu'il va avoir des vêtements, mais tu sais, je sais pas, on m'en a pas parlé, fait que bref, de ce modèle, moi j'aime bien ça, acheter ces petits vêtements là, tu sais, notre premier enfant, on dirait que c'est bien le fun, puis surtout, ben je yurte les soldes sur internet parce que ben j'ai pas, tu sais, je fais souvent ça. Fait que aussitôt qu'il y a comme 40-50% chez Gap, ben je commande. Fait que là, j'ai fini de jaser. Je vais vous montrer les petits morceaux que j'ai commandés. Fait que premièrement, j'ai acheté ce beau petit cache-couche-là qui était trop, trop mignon. Tu sais, je pourrais vous dire les prix, là, comme il valait... Non, ça le dit pas là-dessus. Il y a pas les prix. Mais je les ai vraiment pas payés cher, là. Ça vaut la peine de regarder. Puis tu sais, Gap, c'est comme de la qualité, là. Tu sais que quand tu vas le laver, il va rester cute. Ce petit cache-couche-là. Regardez comment il est trop, trop mignon. J'aime ça aussi parce qu'il y a comme des petits boutons ici là, pour passer sa tête plus facilement s'il y a une grosse tête, comme son père. Comme ça. Puis j'ai pris un petit pantalon qu'elle avait. Fait que je me suis dit que ça ferait vraiment un petit kit trop, trop chou. Imaginez avec les petits souliers là, armés là, si on fait une petite sortie. Oups, c'est à l'envers. C'est juste trop mignon. Puis on le trouvait tellement cute qu'on l'a pris en 3 à 6 mois aussi. Puis on a pris un petit jeans aussi en 3 à 6 mois. Je le trouvais vraiment mignon avec comme l'élastique de même. Comme ça. Puis comme vous voulez. Il est comme, tu sais, il est ultra stretch là. Je le trouvais vraiment beau. Ça va faire cute d'ailleurs en regardant là, avec le petit cache-couche, tu sais. C'est mignon, non? Ouais. Puis une petite veste là, ou peut-être pas. Je suis allée avec, tu sais, les manches longues parce que c'est ça, c'est le petit bébé d'hiver. Puis sinon j'ai pris un autre petit pantalon comme ça. Okay. Tu sais, je vais pas. Tu sais, j'ai acheté un jeans là. Je me suis dit, rendu là, peut-être qu'avec la COVID, on va sortir. Fait que c'est le fun de faire une petite. C'est le fun juste être cute ou même à la maison des fois. Il est vraiment confortable, tu sais.
Fait que c'était ça ma commande de chez Gap. J'avais juste pas mal commandé pour le suit justement là, d'hiver. Je suis vraiment contente. Il est vraiment beau là. Je suis vraiment contente. Fait que, mais là, c'est ça, il commence à plus avoir vraiment du sec d'hiver, là. J'ai fait pas mal ça. Je regardais les soldes, tu sais, comme quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était au début février. Puis, tu sais, tous les trucs, les pyjamas de Noël, puis tout ça, ils étaient tous en liquidation. Puis souvent, tu sais, il reste juste, justement, les, comme, 1 à 2 mois ou 0 à 3 mois. Puis nous, notre bébé, ben, ça va pas mal être dans ces mois-là. Fait que j'en ai commandé plein. Ça nous revenait vraiment pas cher, là. Je pense qu'il y en a que j'ai payé comme 1,99$, là. Fait que ça vaut la peine des fois, là, de se prendre un petit peu à l'avance. Mais là, c'est ça, je vais pas mal... Je pense que j'ai pas mal fait toutes les deals, là. Pour l'instant, là, il restera plus de trucs d'hiver. Mais ouais, c'est ça. Hey, je suis vraiment contente de mon petit pad, là. Je le trouve vraiment beau. Alors, c'est ça qui est sûr. Ça fait quand même un bout que je vous parle. J'espère que vous allez aimer mon petit haul. Moi, je vais aller prendre ma douche. Puis, ce soir, on va se faire un bon souper de saumon. Fait que c'est le saumon asiatique de Ricardo sur vermicelle au curry. Mais je pense qu'on va se faire juste des petits ramen que j'ai achetés au Costco l'autre jour qui sont super cool. Avec du brocoli, graine de sésame. Allez, je vais vous montrer ça dans le fond. Voilà notre 10 souper, ça a l'air excellent. Regardez les genres de petites ramen au curry qu'on a fait. Brocoli et du saumon asiatique. Saumon bien cuit hein, maintenant. Fait que ouais, ça a l'air super bon. On se retrouve quelques heures plus tard. On a regardé nos petits programmes télé. Comme à chaque soir de semaine, on écoute souvent... on dîne comme... On soupe vers 6h. Fait qu'on écoute souvent une émission de du survivant désigné sur Netflix. Puis après ça, vers 7h, on regarde nos petits programmes à TVA. C'est... comment ça s'appelle? Comment on s'aimait? Bref, je trouve ça vraiment drôle. Comment on s'aimait? Ouais, c'est ça. Comment on s'aimait? Ça sonne bizarre. Ouais, je pense que c'est comme ça. En tout cas, puis après c'est Star Academy. Excusez-moi, vous attendez Monsieur Bonjo ici. Puis, ben là, c'est ça. je vous ai pas parlé, mais je vais conclure le vlog. Ça a pas été un super long... Ben oui, c'est comme un long vlog parce que j'avais pas mal d'achats, mais je vous ai pas emmené beaucoup au courant de ma journée. Je vous ai juste présenté mes achats, mais j'espère que vous avez aimé ça. C'est les premiers petits achats. Banjo, tu fais du bruit, là. Oh, attention. Il est ici. Tu veux être dans la caméra? Non? OK. Mais c'est ça, c'était les premiers petits achats. Ben, c'était pas les premiers pour moi parce que j'en ai vraiment fait beaucoup, même au premier trimestre. On dirait que ça me rassurait de faire des petits achats vêtements et tout. Mais il est collé. Mais c'est ça, dans le fond, c'était les premiers que je vous présentais. Fait que j'espère que vous avez aimé ça parce que vous allez en voir probablement beaucoup. Au nombre de choses qu'on a achetées pour un premier bébé, là. C'est ça. Alors, je vais mettre fin au vlog, puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!